Lucid dreams, so I can't be out here living stupid. I love hard, so you could say I was shot by Cupid. Say less, but every now and then I drop my 2 cents. Tunnel vision, cause niggas could really be a nuisance. ISO, yeah, you know we be the fucking movement. Don't ask what we doing, just know we always keep it moving. Watch out for intruders, still a student to the game. You don't see me rocking chains, cause I think that shit is lame. When my brother's getting slain from the police, blood stains leaking on the concrete. All my aunties always warn me to stay up off the street, cause these niggas tucking heat, yeah, the feeling of defeat, nigga. And I'm constantly finding ways to level up my mind state. Ain't no justice for us, you could peep it in the crime rate. I left behind all those trying to set me up like a blind date. That duo sizzle just like a hot plate. Zooming on the Jackie like we got weight. I mean it's just a few grams, but I got faith, cause I was born in interfaith. Tell them plug me in like the interface. Speakers blasted, shake the flowers in the vase. Learning to break out of my commonplace. Still trying to be, so I let common play. They calling me Illmatic, I'm the modern day. Wanna go toe to toe, tell them I'm delayed. Mommy go E-I-E-I, how Nelly say it. Uh-oh, this flow here cutthroat. I just reload while they upload. Tell them that merch coming in by the truckload. Gotta do this to the utmost. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, lundi 20 mars et je suis très contente parce que cette semaine, je travaille. La semaine dernière, j'ai pas du tout travaillé et cette semaine, du coup, je suis très contente de bosser. Je suis en répétition tous les jours et j'ai un concert samedi soir et dimanche soir. Cette semaine, ça va être une semaine placée sous le signe de la musique, je suis trop contente. Là, il est 9h passé, je vais aller prendre le métro pour aller à ma répète et ensuite, j'irai directement faire mon upper. J'ai pris mon petit top avec moi, je vous embarque avec moi dans ma journée. Ce matin, j'ai atteint un poids le plus bas de 59,7 kg. Je vous avoue que le physique, là, depuis quelques jours, je suis en mode genre... C'est très bizarre parce que quand t'es en prépa, t'as des jours où tu te sens mais waouh, tu te dis putain mais le physique a décollé, c'est fou. Et puis après, les jours suivants, alors que pourtant il y a rien qui a changé, au contraire, ça devrait même avancer dans le bon sens, t'es en mode... Non, là franchement je me sens un peu fat, je trouve que je suis moins tracée qu'avant, donc bon. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, la rétention d'eau, le stress, là sachant que j'enchaîne les jours bas, mon corps je pense qu'il commence à être un peu stressé. Du coup j'ai hâte du bilan de mercredi, aujourd'hui c'est mon vendredi, samedi, dimanche, lundi. Aujourd'hui c'est mon 4e jour bas, donc presque sans glucides. C'était cool, j'ai mangé mon petit repas entre deux morceaux. Je vais aller à la salle direct, là j'ai 15 minutes de marche vers le métro. Et je sais pas encore si j'enchaîne le cardio ou si je retourne à la salle ce soir pour le cardio. I don't know yet. Alors c'est très drôle parce que j'étais en train de prendre le métro pour aller à la salle. Et là je lève les yeux et je vois un fitness park. Du coup bah trop contente en fait. Je sais pas prendre le métro, j'ai un fitness park devant moi. Merci Paris. J'ai trop le seum, j'ai plus d'œufs. Du coup, je peux pas prendre mon petit déjeuner. Je suis obligée d'aller faire des courses avant. J'ai trop la...
mon cardio, mes courses et tout ce matin. Et là, je m'apprête à filer en répète. Mais avant, j'ai reçu mon petit colis Prozis que j'ai commandé, je sais pas, il y a deux jours, je crois, deux, trois jours. Ah, en plus, je crois que j'ai des trucs un peu fun cette fois-ci. Bon, j'ai pas de fringues, j'aimerais bien avoir des fringues. Mais j'en ai pas. J'ai repris de l'huile. Ah ouais, maintenant je mets ça après la douche. C'est genre de la crème qui est censée un peu raffermir la peau et tout. Évidemment, ce n'est pas miracle. Ce n'est pas grâce à ça que je vais être sèche. On est d'accord. Mais ma foi, si c'est un petit truc en plus qui peut aider, on va pas dire non. J'ai pris un pot de beurre d'amande. Il est tellement bon. Il est magnifiquement bon. Ce beurre d'amande est incroyable. Un petit paquet de chips zéro que je ne vais certainement pas manger maintenant. J'ai repris de la glutamine goût pêche passion. Ah, alors ça, franchement, j'ai trop hâte de goûter. C'est un peanut butter protéiné crispy. Déjà, il est beaucoup trop mignon. Oh, ça sent trop bon. Ça, c'est un pré-workout. C'était dans les cadeaux. Bouteille de blanc d'œuf. J'en ai pris 5. 70 euros. Yes. Pour les répètes, je vais prendre un thermos et je vais mettre du café. Pink is always a good idea. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est mercredi et j'ai fait mon petit bilan ce matin avec Damien. Bilan que j'attendais comme le Graal. Je suis très contente de mon physique ce matin, c'est cool. C'est mon 6e jour bas. Demain c'est mon jour haut. D'abord je vais faire mon cardio et ensuite on se pose et je vous parle. Pas un petit update. Enfin, ce matin j'ai fait mon bilan avec Damien, j'avais vraiment hâte parce que comme je vous avais dit il y a quelques jours, le physique ces derniers temps, j'étais en mode ouais bon pff. Enfin quand je dis ces derniers temps, c'est ces derniers jours. En prépa c'est vraiment au jour le jour. Résultat, je suis trop contente du bilan de ce matin. Je pense que c'est le meilleur bilan que j'ai fait jusque là. Contente de voir que les jours bas, que le cardio, tout ça, enfin que tout ce qu'on met en place fonctionne. Aujourd'hui c'est mon dernier jour bas avant la recharge de demain. Ça va être trop cool. Après la dernière fois que j'ai fait une recharge, jeudi dernier, j'étais KO toute la journée. Genre vraiment j'étais ultra fatiguée. Donc d'un côté j'ai trop hâte parce que mon côté gourmand fait que voilà, je suis trop contente de remanger des glucides. En plus de ça, je suis en répète toute la journée et je sais que je vais être KO, notamment à cause de la digestion, bah justement des carbs. J'ai hâte et en même temps je sais que je vais être claquée, mais voilà, ça va faire du bien. J'ai hâte de faire le bilan de vendredi pour voir comment mon corps a réagi avec cette petite recharge. En tout cas jusque là, pas de changement. Enfin on verra d'ici vendredi si Damien me change des choses, mais voilà, toujours 35 minutes de cardio 6 fois par semaine. La seule chose que Damien m'a changé, pour mon plus grand bonheur, il m'a réduit le volume d'entraînement. Cette semaine vraiment mes perfs ont fait genre... pas sur tous les exercices, mais sur les exercices qui demandent quand même pas mal d'énergie, notamment sur les squats et sur le développé militaire. J'ai fait à chaque fois 2 répétitions de moins que d'habitude. Après, c'est pas vraiment étonnant, sachant que j'ai presque rien à manger, j'ai pas de pré-workout, j'ai pas de glucides de pré-workout, donc forcément j'ai beaucoup moins d'énergie, fatigue accumulée, moins de récupération, etc. C'est tout à fait logique, et du coup, ce qui est trop cool, c'est que Damien a adapté ça pour le dernier mois, enfin le dernier mois jusqu'à la Macédoine et le dernier mois et demi jusqu'au championnat d'Europe. Je vous avoue, ça me redonne un coup de boost pour cette dernière ligne droite. Aujourd'hui je vais faire mon lower numéro 2 et j'ai trop hâte de le faire pour vous dire. Je vois que les échéances arrivent pour mes copines, notamment pour Léa. Elle est à J-10 de Colmar. Je suis dégoûtée de pas faire Colmar. En vrai, on s'était posé la question avec Damien. En fait, c'était trop juste. J'aurais dû le contacter plus tôt. On aurait dû faire un off plus long pour commencer peut-être la sèche un peu avant. Mais là, au niveau timing, c'était trop juste pour que je sois prête pour Colmar. Je suis un peu dingue parce que Colmar, c'est quand même, je pense, une compétition à faire au moins une fois dans sa vie en tant qu'athlète. Mais bon, de toute manière, ce sera pas ma dernière saison de compétition. Donc voilà, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, j'aurais bien voulu faire celle-ci avec ma pote Léa. Mais bon, ce n'est que partie remise. Sinon, quoi d'autre? Je viens de réaliser que je vais partir toute seule en Macédoine. Je le sais depuis le début, mais heureusement que j'ai déjà voyagé toute seule et que en soi, ça va, tu vois, je suis assez débrouillarde, assez indépendante. Waouh, je me dis, je vais aller en Macédoine. Déjà, à chaque fois que je dis ça, tout le monde est en mode, c'est où la Macédoine? Personne ne connaît à part la salade. Attends, je vais partir toute seule en Macédoine. Je vais aller toute seule à l'aéroport le lendemain, enfin bref. Je suis un peu triste de pas partager les backstage avec des gens que je connais, sachant qu'en plus je serai la seule française. Je vais représenter le pays. Le soir après la compète, pareil, je vais retourner dans ma chambre d'hôtel toute seule et tout, ça va être trop triste.
pour le poste compète, j'ai demandé à ma sœur. Ma sœur fait le meilleur gâteau au chocolat ever. Ça s'appelle un Bolois. J'ai demandé si elle pouvait me faire genre un quart. Et en fait, c'est génial parce que c'est un gâteau à la base qui est fait pour voyager. Plus tu le conserves et plus il devient meilleur en fait. Elle va me donner un petit quart et comme ça, je pourrais le prendre avec moi le vendredi et le manger le dimanche soir. Si Damien est ok, bien sûr. On n'a pas parlé du poste compète encore. Let's go! Just double and double over more, you know what I'm saying? Yeah. I so conscious. When I kiss you, I get a spark. Your body a work of art. Horny thoughts after dark. Used to stay up late to just. Avant de partir m'entraîner, je vais essayer ça du coup. C'est un pré-workout. Damn, your skin so soft. Let me open up your heart. Cause life too short till death do its part. Knew it from the start, you be the one I'm pushing carts with. In the supermarket, you know I love the star shit. Took you to my crib, eating ackee and some sawfish. Breakfast in the morning, making waffles and some sausage. Girl, you blow my mind like a Nintendo game cartridge. And when I'm not around, yeah, I think about you often. Sometimes I need my space, cause I don't like the fall shit. Took you on vacation, had you swimming with the dolphins. Living in a barrel, now we got our own apartment. Used to be scared that some probably walking like, oh shit. But planting flowers in your garden. I know y'all told you one day we'll be ballin'. Yeah, other girls, they be swarming. I'm just trying to make sure that you all in. So tell me if you want it. Yeah, tell me if you want this. Yeah, tell me if you want it. Tell me if you want this. Alors je me suis fait mes petits tops pour aujourd'hui. Du coup pour mon refeed, ça c'est juste des légumes, du poulet et 5 g d'huile de noix. Et ici j'ai 70 g de riz cru et je vais rajouter 100 g de poulet. Mon premier repas, trop contente, j'ai des glucides. Happy me. Bon du coup je vous ai même pas updaté, mais comme prévu pendant mon jour O, j'étais ultra fatiguée. En plus de ça, j'étais en répétition toute la journée, donc vraiment niveau concentration c'était chaud, mais ça m'a fait du bien. Par contre j'étais hyper triste parce que j'ai complètement foiré ma crème de riz. Faut savoir que ce bol de crème de riz, c'est genre le truc de ma journée haute que j'attends le plus. Et là, je l'avais complètement foirée. Elle était beaucoup trop liquide. Limite, en fait, je pouvais la boire. J'avais hésité à la refaire, mais en fait, je me suis dit, bon, tu sais quoi, les calories restent les mêmes. Finalement, c'est pas grave. J'aurai la semaine prochaine. Donc voilà pour le petit retour de la journée haute. Mais écoutez, j'étais contente de retourner en jour bas. Finalement, je le vis assez bien. Je viens de terminer une répétition. Ce qui est trop cool, c'est que ce matin, j'ai fait mes 50 premières minutes de cardio et mon lower. Il me reste 6000 pas à faire environ, mais là, de toute façon, je file à un rendez-vous et je fais un update prépa quand je rentre chez moi. Putain, les gars, je suis trop contente. Dans le métro, j'ai acheté un truc dans le métro, mais. Je suis trop heureuse! Je vais vous dire ça tout de suite. Est-ce que c'est au moment de faire le montage que je me suis rendu compte que je vous ai même pas dit du coup ce que j'ai acheté dans le métro? J'ai acheté ma place de concert pour aller voir Daniel César le 18 avril prochain à Paris. Je suis trop contente. J'ai vu ça genre en story, je savais même pas qui passait. Et clac clac direct, j'ai même pas réfléchi, tac tac tac, j'étais sur le site, bam, j'ai entré mes codes de carte bleue. Et voilà, en 5 minutes, je me suis retrouvée entre deux stations de métro à avoir une date pour aller voir Daniel César en concert. Je suis trop contente. Je pense que vous l'avez quand même remarqué, ça se voit un petit peu à ma gueule. Donc déjà, j'ai dû me relisser les cheveux pour mon concert de dimanche. Je suis un peu dégoûtée. J'aime pas les cheveux comme ça, je trouve ça inutile. Ces jours-ci, je me sentais chum. Du coup, je me suis faite épiler les sourcils tout à l'heure. Hier, je me suis faite épiler la moustache parce que oui, j'ai la moustache. Et non, j'ai pas honte de le dire. Et j'ai surtout été me faire un petit tan auto-bronzant. Là, franchement, je me sens mieux. Vraiment, je fais bonne mine assurée, quoi.
dreams, so I can't be out here living stupid. I love hard, so you could say I was shot by Cupid. Say less, but every now and then I drop my two cents. Tunnel vision, cause niggas could really be a nuisance. ISO, yeah, you know we be the fucking movement. Don't ask what we doing, just know we always keep it moving. Watch out for intruders, still a student to the game. You don't see me rocking chains, cause I think that shit is lame. All my brothers getting slain from the police. Blood stains leaking on the concrete. All my aunties always warn me to stay up off the street, cause these niggas tucking heat, yeah, the feeling of defeat. And I'm constantly finding ways to level up my mind state. Ain't no justice for us, you could peep it in the crime rate. Petite update par rapport au bilan de ce matin. Damien était très content, donc c'est cool. Il m'a dit que là, pour ces deux prochaines semaines, on allait vraiment tirer à fond. Pour ça, il m'a non pas baissé la diète, parce qu'il m'a dit qu'en jour bas, qui est donc 6 jours par semaine, j'étais déjà extrêmement basse, donc on n'allait pas encore plus baisser la diète, mais qu'on allait augmenter le cardio. Pour rappel, j'étais à 35 minutes 6 fois par semaine, et maintenant je passe à 50 minutes 6 fois par semaine. Là, c'est le moment de la prep où clairement je fais ça. En gros, genre, je pose le cerveau et juste je fais le job. Et aussi, on est passé de 12 à 14 000 pas par jour. Donc ce matin, j'ai fait 30 minutes de cardio. Ensuite, j'ai fait ma séance et ensuite, j'ai refait 20 minutes de cardio. Il me reste 5 000 pas à faire. Il pleut de ouf. Je crois que c'est enfin les giboulées de mars. Oh ! Ce qui est très cool, c'est que les deux semaines qui suivent, donc les deux semaines vraiment genre les pires de la prépa, enfin les plus difficiles du moins, niveau travail, c'est quand même assez léger, donc c'est cool parce qu'au moins je vais bien pouvoir me reposer, je vais pouvoir mettre le focus que sur ça. C'est pas plus mal. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire, un petit like et de me rejoindre aussi sur Instagram. Et je vous dis à dimanche prochain, 10h pour la suite de cette prépa, savoir si je suis encore en vie. Des gros bisous!